installer un vase d'expansion sur un chauffe-eau électrique à accumulation. La dilatation de l'eau dans les moments de chauffe dans la cuve d'un chauffe-eau provoque une augmentation de volume et donc une surpression qui s'ajoute à la pression du réseau d'alimentation. De ce fait, le groupe de sécurité peut réagir et libérer un peu d'eau pour faire tomber la pression. Hormis ce fait qui insidieusement génère une surconsommation d'eau, la soupape de sécurité est d'autant plus exposée à l'entartrage. Pour résoudre ce problème, il suffit d'installer un vase d'expansion. Nous avons là le modèle Vexbol de Thermador de 12 litres de contenance. Celui-ci est composé de deux compartiments séparés par une membrane élastique. Dans le compartiment supérieur est injecté en usine généralement de l'azote, gaz inerte et plus stable que l'air. Cependant, l'air contient 78% d'azote et peut donc être utilisé en cas de nécessité de regonflage, à une pression minimale de 0,5 bar. Lors de la mise en service, l'eau va pénétrer dans le compartiment bas et va compresser le gaz modérément. Au cours de la chauffe, la montée en température de l'eau va conduire par un phénomène de dilatation à une augmentation du volume d'eau contenu dans le ballon. Le gaz sera donc compressé et absorbera cette différence de volume. Le groupe de sécurité ne sera donc pas sollicité et il n'y aura pas d'écoulement d'eau. Les vases d'expansion sont proposés dans plusieurs modèles de volumes différents. Selon la capacité du chauffe-eau, sa contenance, ainsi que la température de fonctionnement choisie, il est parfois nécessaire d'installer plusieurs vases en parallèle. Voici un tableau de correspondance, rapport capacité chauffe-eau et volume vase d'expansion. Passons maintenant à son installation. J'utilise pour cela le kit de fixation et de branchement de Thermador. Il est adaptable à tous les vases et groupes de sécurité. Cependant, pour son installation, il est nécessaire sur une installation existante de démonter le groupe de sécurité. Mais j'ai sur mon chauffe-eau un groupe de sécurité X-Ross de Thermador. Le branchement sera encore plus simple car je n'aurai pas besoin de démonter le groupe de sécurité. Je positionne et fixe le support du vase d'expansion à proximité et au niveau du groupe de sécurité. J'introduis ensuite le collier dans les encoches prévues à cet effet sur le support et je le règle à peu près à la mesure de la circonférence du vase d'expansion. Je mets en place maintenant le vase et je serre le collier. Pour le branchement, il est grandement simplifié car Thermador a prévu un raccord spécial pour brancher un vase d'expansion sur le groupe X-Cross. J'installe ce raccord à une extrémité du flexible de branchement fourni dans le kit. Je place un joint caoutchouc de 20-27 mm à l'intérieur de l'écrou. Et je visse le raccord spécial. Je visse maintenant l'autre extrémité du flexible sur le vase d'expansion, sans oublier de placer un joint caoutchouc de 20-27 mm. Pour brancher le raccord spécial sur le groupe de sécurité, je place d'abord la vanne d'alimentation en position fermée et j'ouvre dans l'appartement un robinet d'eau chaude pour tomber la pression dans le ballon du chauffe-eau. J'enlève le circlips de fixation du bouchon et ensuite le bouchon. J'introduis le raccord spécial jusqu'en butée et je remets le circlips. Je referme ensuite le robinet d'eau chaude ouvert précédemment dans l'appartement et j'ouvre la vanne d'arrivée d'eau froide. Et voilà, c'est terminé. Une dernière information, si dans le temps il est nécessaire de regonfler la vessie du vase d'expansion avec un petit compresseur, il suffit d'ôter ce capuchon pour accéder à la valve. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.